Ah, je me prends des attaques, les gars. Poisson. Yes, en surface. C'est le premier lancé en surface. Ah, yes. C'est du petit bar, par contre. Mais ça fait plaisir. Ah, yes. Impeccable. Yes, ça... Les gars, tout petit bar, je sens qu'il a le ventre bien rempli de petits poissons. Je vois plein à côté de moi. Et l'eau est super chaude en plus. Oh, poisson. Yes. Ils sont vraiment surexcités en plus vu qu'ils sont en pleine chasse. Bon, c'est que du petit, mais franchement, ça fait extrêmement plaisir. Ils sont vraiment vénères. Vraiment très excités. Doucement, doucement, tu vas repartir à l'eau. Tu vas repartir à l'eau. Regarde ta taille, tu vas repartir à l'eau. Allez, hop. Un petit coup, aide-moi s'il te plaît. Voilà. Ça repart, nickel. Impeccable. Je vais essayer avec une petite technique. Parce que là, je les abîme un peu avec les tripes. Donc du coup, je vais essayer de mettre un petit Optimus Shad en buzzing, là. On va voir si ça peut les déclencher. Ça peut être sympa. Au pire des cas, je reviendrai sur un stick bait après. Alors, Optimus Shad, il est là. Hop, voilà un petit Optimus Shad juste avec un petit hameçon texan. Normalement, ça devrait le faire. Ils connaissent pas trop ce type de vibration là, donc je sais pas ce que ça peut déclencher chez eux. Vraiment pas besoin de le lancer loin en plus. J'ai eu des attaques. Je pense que ça peut donner. Oh, touche. Poisson. Optimus Shad en buzzing, les gars. Il n'y a pas que dans le sud qu'on peut faire du buzzing. En Normandie aussi. Bon, là, je suis dans une chasse, donc c'est un peu facile de dire ça, mais bon. Au moins, je les abîme moins, les poissons, et ça me fait plaisir. Ça me fait extrêmement plaisir, et je prends tout autant de poissons. Ça me fait extrêmement plaisir. C'est du petit, mais... Voilà, quoi. Et vous voyez, hameçon simple, voilà. C'est à peine piqué. Et là, hop, ça repart grandir, direct. Allez, par gars. Ah, nickel. Je savais que le petit Optimus kaki là en buzzing, ça pourrait faire le taf. Bon là par contre il m'a un peu décalé l'hameçon texan. Voilà, mon tech est tout simplement en hameçon texan. Tout simple. Et puis il y a juste, en plus il s'anime très bien ce leurre là. Il y a juste, vous voyez, elle fait ramener à l'unaire et la coda elle s'active toute seule. C'est nickel, c'est nickel. J'ai des attaques. Oh là 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 là. À peine le leurre est dans l'eau, j'ai déjà des attaques. Ça, c'est énorme avec le buzzing. Si vous avez un leurre qui s'anime bien, ça part tout seul. Bon, ça arrête pas les attaques. Le problème, c'est que je suis en texan, donc du coup, c'est galère à ferrer. Regardez comment ils me le mettent, le leurre. Ils me le déchiquent, hein, littéralement. Juste laisser ressortir un peu l'hameçon texan, parce que là... Il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas d'algues, donc on n'a pas de risque d'accroche. Hop, il touche l'eau, on mouline. Et attaque. Attaque, c'est du petit bar encore. C'est vraiment tout petit. Oh,
Oh là là là, à peine la tombée du leurre arrive qu'on a déjà un petit poisson. C'est excellent. C'est excellent. Le leurre, il a à peine touché l'eau. C'est vraiment incroyable. Et ils se battent bien en plus, ces petits bars. Hein, ça fait plaisir. C'est vraiment petit par contre. Hein. Mais ça fait plaisir. C'est des petits poissons qui font extrêmement plaisir. Et c'est pour ça que je préfère pas trop les abîmer en pêchant en simple. Voilà, en texan là. Il n'y a pas photo par rapport avec les triples. Voilà. Allez, hop, va grandir, petit gars. Alors, par contre, il est en train de prendre cher, l'Optimus. C'est un truc de ouf. Bon, nickel. Deux poissons en surface. Deux poissons à l'Optimus Shad. Il n'y a plus qu'à tester un autre truc. Poisson. C'est excellent, je regarde même pas. Je lance le leurre, je donne deux tirés. Et bam, poisson. Oh, c'est excellent. Ça me tente de mettre un teaser, les gars, pour faire des doublés de barre. Ça me tente. Il est vénère, celui-là. Et attendez, il fait quelle taille? Il fait même pas 30. Oh, l'Optimus. Il est dans l'eau. Vite, vite, vite. L'Optimus, il est dans l'eau. Vite, 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 vite. Non, te barre pas. Hop. L'Optimus, il est là-bas. Il est tombé. Le bar l'a fait sortir du leurre. Je vais essayer de le repêcher. C'est bon. Après la pêche au bar, voici la pêche à l'Optimus Shad. Ah, il me le déglingue. Franchement, il est déglingué à l'avant. Vraiment déglingué. Je vais devoir le piquer un peu à l'arrache. J'ai l'impression qu'il a un petit poisson. J'allais dire qu'il avait un petit problème de nage, mais non. Ce bar m'a fait mentir. Pareil, c'est du petit encore. Et ça fait plaisir, un petit buzzing Optimus là. C'est nickel. Oh, le pauvre Optimus. Oh. Il est éclaté. Il est éclaté. Voilà, allez, pars, hop. Yes, ça fait plaisir, ça. Il commence vraiment à tirer la gueule, hein. C'est un truc de ouf. Poisson. Ils sont vénères, en plus. Ils font 30, ils sont vénères. Lui est peut-être un peu plus... Lui, il est plus joli. Je l'ai ressenti dès le départ. Ouais, il est plus joli, lui. Bon, il est vénère, mais plus joli, quoi. Ouh, calme-toi, gars. Il fait... Ouais, il est tout petit. Tout petit, mais un combat comme ça. Pourtant, mon frein, il est quand même... Ah, mon frein était pas mal serré. Ouais, pareil. Ouais, peut-être un peu plus beau. Ouais, 40. Allez, 40. À tout casser. On va le prendre à l'épuisette pour son confort. Voilà. C'est rangé. L'Optimus, il est rangé. Voilà. Ça fait 35-40 en buzzing, c'est cool. Ce qu'on peut appeler le buzzing. Allez. Adios. Hé hé. Ça fait plaisir. Il y a du. J'ai l'impression qu'il y a des jolis bars quand même à prendre. Ça, c'est sûr. C'est excellent. Allez, un petit bar encore. Poisson. Ouh. Ouh. J'ai l'impression qu'on touche des... Oh là là. J'ai l'impression qu'on touche des plus jolis poissons. Il m'a mis un de ses départs, lui. Oui, oui. Ah, il est plus joli, celui-là. Oh non. Ouais, c'est pareil. Hein. Ça fait les 40 en fait, hein. Ils sont juste archi vénères.
Ouh. L'Optimus 7 qui remonte sur le fil, à mon avis, je vais le perdre. Viens, allez. Allez, viens. T'inquiète, plus tôt tu viens, plus tôt tu repars. Non, je veux pas monter tout seul. Ouais, je vais t'aider alors. Voilà. T'inquiète, avec moi tu vas repartir, c'est inévitable, y'a pas de soucis. Pas de soucis avec ça. Voilà, encore un bar. Sympa. Hop. Allez, repars grandir mon gars. Il se fait déglinguer le pauvre Fiat. Je vois tous les bars qui se ramènent. Excellent. Excellent comme pêche. Excellent. Oh, oh. Ça pique pas. Hein. J'ai beau ferrer, ça pique pas. Être vraiment un râleur. Mais c'est pour ça, si je mets un leurre de surface, je vais les cartonner, donc c'est pas ça qui m'intéresse. Ah bah oui, c'est piqué. C'est du tout petit, mais ça fait plaisir quand même. Franchement, ils sont vraiment vénères en plus. Hein. Ça se voit qu'ils ont leur pic d'activité, parce que là, ils sont vraiment vénères. Hop. Oula, t'es un petit peu nerveux toi. Un petit peu beaucoup même. Ah, j'ai la canne à pêche qui sent le mucus, c'est bon ça.